Le lierre a envahi toute la ville. Son influence doit être encore très forte. Comme dirait Charles, à chaque nouvelle journée, une nouvelle âme à sauver. Ils n'ont aucune idée de ce contre quoi ils se battent. Red, on ne savait vraiment pas ce qui nous attendait. Tu es morte. À cause de mon arrogance. Oui. C'est vrai. Je suis prêt à tirer sur les racines infectées, dès que tu lui auras dégommé le cœur. Attention, il va le posséder. Tiens, prends-toi ça. Attention, une possession spectrale. Avoir droit au sermon sur le mariage. Esther n'oserait pas, et on n'a pas besoin d'un morceau de papier pour rester ensemble. Oui, je me souviens, tu lui avais dit ça. Tu me manques. Comment en est-on arrivé là? Et comment on va s'en sortir? Je vois une lumière. Comment? Tu crois qu'Esther est encore là? Eh oh! Il y a quelqu'un? Au cœur de la forêt. Esther? Rodrigue? Tu es là?
Tu es vraiment là ? Oui, je suis là. Nous sommes là. Tu as passé tout ce temps seul ? Non, pas seul. Charles vient me voir de temps en temps. Et on parle. Ce n'est pas lui. Charlie a eu droit à son ascension. Rappelle-toi. Ah oui, c'est vrai. Tout est si flou. Crois-tu que l'on puisse jamais faire le deuil de l'être aimé ? Esther, tu me reconnais ? Antea. Oui, c'est toi. Tu es pour Red ce que Charles est pour moi. Comme tu es gentille. Ma très chère Esther, je suis morte. Je suis un fantôme. Tu sais, j'aurais aimé jouer avec vous trois, à vos chasses aux fantômes. J'apprends vite, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Au revoir, Esther. On se reverra peut-être. Peut-être, oui. C'est toujours un plaisir de revoir de nouveaux vieux amis. De temps à autre. Et à autre. Ça me brise le cœur de la voir comme ça. Il y a eu assez de souffrance. Il est temps de libérer New Eden. Après ça, on devrait mettre les voiles, dans un endroit sans danger, où il fait bon et où les morts ne reviennent pas. Ça n'existe pas, mais c'est pas une mauvaise idée. Le rituel de palingénésie mineure. Je n'ai jamais rien fait de tel. Moi non plus. C'est un étrange retour aux sources. Ça fait bizarre d'être de retour. Ça fait bizarre, de dormir près de l'endroit où tu es morte. Certes, mais tu dois te reposer. Tu vas en avoir besoin. On peut pas se baigner deux fois dans la même rivière. C'est pas la même rivière, et on n'est pas le même. Et en même temps, rien ne sera plus comme avant. Oui. Tu reviendras changé. Et à ton retour, tu me trouveras changé. Bien sûr qu'on aura changé. Mais on sera en vie, avec toute une vie de changement qui nous tendra les bras. Et on vivra ça ensemble. J'espère que ça suffira. Depuis notre retour à New Eden, je sens que quelque chose te tracasse. Qu'est-ce que tu me caches ? Cette nuit-là, dans cette pièce, je t'ai demandé d'être prudent. J'avais peur que tu fasses ta tête brûler, et c'est exactement ce que tu as fait. Malgré ta promesse. Je pensais que tu étais partie à l'église sans moi. Je suis morte pour te sauver. C'est pour ça que ton fantôme est revenu. C'est pour ça que tu es restée. Oui, je suis restée parce que j'étais en colère. En colère contre toi. Je crois que je le sais depuis un moment. La colère persiste. Une partie de moi t'en veut encore. Pour ma douleur et ma peur. Pour ma souffrance. Pour ma mort. Je t'en veux. Antea, je suis sincèrement désolé.
Je n'en doute pas. Mais bientôt, je serai de retour. Alors on se baignera dans cette nouvelle rivière. Ensemble. C'est le moment. Et si on... Et si j'échoue encore? Un mauvais choix aura de lourdes conséquences. Peu importe ce qui se passera, on l'affrontera. Pour le meilleur ou pour le pire. Arrête ce spectre avant qu'il ne prenne possession du corps. Ils ne retiendront jamais la leçon. Attention, une possession spectrale. Je m'occupe du cœur, et toi des racines. Elle ne nous laissera pas passer si facilement. Ce n'est pas quelques racines qui nous arrêteront. New Eden souffre, nous souffrons. Mes amis, j'ai une nouvelle inquiétante. Parmi nous se cache une sorcière, n'est-ce pas, Deborah Comenius? Enfermez-la. Non, non, et c'est faux. Je ne suis pas une sorcière. C'est donc ainsi que tout a commencé. Oui. Avec un mal ordinaire émanant du cœur d'homme apeuré. Deborah Comenius, la cour te déclare coupable d'œuvrer pour le malin. Par la grâce de Dieu, voici ta sentence. La peine forte et dure. À vous,
et dénonce ses complices. Ou tu mourras pour tes péchés. Je n'ai rien à avouer. Comment ont-ils pu laisser ça se produire? Personne n'a pris la parole pour la défendre. Pas une seule personne. C'était une parodie de justice. Personne ne peut te défendre. Ton assemblée t'a trahi. Dénonce tes sœurs, et tu vivras. Je ne suis pas une sorcière. Vous le savez. Tous. Ne m'abandonnez pas. Vous devez me libérer. Vous le devez. Personne ne veut me défendre. Personne. Pitié. Aidez-moi. Aidez-moi! Je ressens sa détresse, sa terreur grandissante, son désespoir absolu. Elle a assez souffert, tout comme nous. Vous aimez jouer avec le temps, on dirait. Je ne joue pas. Déborah, on sait ce qui vous est arrivé. On sait ce qu'ils vous ont fait. Ce qu'ils m'ont fait? Ce qu'ils me font? Je suis brisé. On ne veut pas vous faire de mal. Vous avez mon corps, et je veux le récupérer, c'est tout. Aidez-nous, pour qu'on puisse vous aider. Non, c'est impossible. Vous allez le payer.
absolument rien. Tuez-moi. Et pourtant, tu t'opposes à moi. Fais-les payer. Non. Ils ne méritent pas notre rage. Passez de là. Ils méritent tous notre colère. Ils nous ont écrasés, étouffés. Tu le sais. Tu as même voulu. Plus maintenant. C'est terminé. Vous avez été entendu. La vérité a éclaté. Non ! Reviens ! Nourris-toi de la douleur ! De la trahison ! De cette atrocité ! Je ne veux plus. J'ai trop mal. Oh ! Tremblez devant ma douleur ! Ils t'asserviront ! Une fois de plus ! Laisse-moi t'aider. Ne t'avise pas de m'abandonner. Ils nous ont torturés. Ils nous ont tués. Ne leur donnez pas raison. Toi qui t'en trahis de la terreur.
étiez innocente. Souffrir. Ils doivent nous le payer. La douleur peut cesser maintenant. Justice a été rendue. Épargne-moi ta compassion. Elle arrive trop tard. Qui êtes-vous? Je suis le châtiment. Un mot, une idée. Mais qui êtes-vous vraiment? Je suis sa rage. Plus maintenant. Je suis leur cauchemar. Vous l'étiez. Vous pensez avoir gagné. Ce ne sera pas si facile. Car je rentrerai vos rêves. Que c'est fini. Oui. Si c'est ce que vous voulez. Vraiment. Dans votre main, vous pesez ma mort. La dernière pierre posée sur mon corps brisé. Je suis sincèrement désolée. Vous acceptez de partir? Vous êtes prête? J'ai erré pendant si longtemps. Où je vais maintenant? Je ne sais pas. Un endroit meilleur, j'imagine. Un endroit calme. Calme, c'est bien. Deborah Comenius, les mots ne peuvent décrire votre souffrance. Et s'ils le pouvaient, je ne les prononcerais pas. Vous avez assez souffert comme ça. Vous avez raconté votre histoire. Et nous vous en remercions. Vous avez été entendu. Et vous êtes libre de partir. Je suis là. Oui, tu es là.
C'est l'heure du rituel de Palingénésie. Il est temps de te ramener à la maison. De la chair au mot. Du mot au cœur. De la chair au mot. Du mot au cœur. De l'air au feu. Du feu à la terre. Je disparais. Ça fonctionne. De l'air au feu. Du feu à la terre. De la fin au début. Indivisible. La mort appartient aux vivants. La vie appartient aux morts. De la fin au début. Indivisible. La mort appartient aux vivants. La vie appartient aux morts. Antea. Antea. Menteur. Quoi? Tu l'avais juré. Audrey McGrace. Tu avais juré que tu me ramènerais. Éloigne-toi, bannisseur. Ce n'est pas Antea. Quoi? Lors de notre première rencontre, je t'ai bien observé. Et j'ai pensé que tu n'étais pas à la hauteur. J'avais raison. C'est quoi ce bordel? Où est Antea? Tu l'as laissé tomber, encore une fois. Déborah! Ça suffit. Laisse-les partir. Laisse-nous partir. Silence, petite. Les adultes parlent. Non! Laissez-la! Elle est innocente! L'innocence n'est que culpabilité enfouie. Elle n'en a pas fini avec nous. Elle n'en aura pas fini avant longtemps. Retrouvez-moi. Retrouvez-nous. Traître et menteur. Tu as abandonné ton seul amour. Et pour ça, tu mérites une récompense. La même récompense. Encore et encore. Non! Laissez-la partir! Par pitié! Laissez-la! Je vous en supplie! Non! Prenez-moi à sa place! Laissez-la partir! La lâcheté, la colère, la traîtrise. Tout ça, et plus encore, est le terreau de notre tragédie. Le fanatisme, l'ignorance, l'orgueil. La liste des failles humaines est interminable. Et c'est dans ce sol fertile que poussent tous nos malheurs. Bien qu'Antea et Red aient remporté de nombreux combats contre un adversaire perfide et implacable, en cet instant, la guerre semble perdue. Car un cauchemar est né de la plus sombre des injustices. Il ne montrera aucune pitié. Mais il reste de l'espoir. La malédiction peut encore être levée. Des braves peuvent encore défier le cauchemar qui fut autrefois Déborah Comenius. Dans l'église de New Eden, elle attend leur retour. Laissez-la partir! Ah, tu es réveillé. Qui es-tu ?